Mila Jasmine enceinte, elle prend la après avoir annoncé la bonne nouvelle. Candidate phare des émissions de télé-réalité signée W9, Mila Jasmine annonçait le 7 octobre mettre un stop à sa carrière de candidate. Coucou la team, j'espère que vous allez bien, je vois pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Ça me fait plutôt rire et surtout très plaisir. Ça concerne tout ce qui est télé-réalité. J'ai décidé de m'éloigner de tout ça, de ce milieu parce que c'est vrai que cette dernière année j'ai été assez déçue. Je ne cracherai sur personne pour l'instant, expliquait-elle. Et de continuer, je garde des très bons souvenirs. Il y a eu des hauts comme des bas, mais dès lors où vous vous sentez plus à votre place. Ou pas respecté ou apprécié à votre juste valeur, ça sert à rien de forcer. Je sais qui je suis et personne ne va me faire douter de qui je suis parce qu'on a envie que ça se passe différemment ou parce qu'on a envie de mettre d'autres personnes en avant. On peut vous effacer ou faire comme si vous n'aviez jamais existé. Point. Mariée avec un mystérieux Lorenzo, la brunette concluait son choix ainsi, « J'ai plus le même entrain qu'avant. J'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'ai envie de laisser ma place aux autres. Je suis mariée, etc. Pour le moment, je préfère m'occuper de moi, m'occuper de ma petite vie et me concentrer sur YouTube. » Mais cette décision de s'écarter radicalement de ce milieu pourrait également venir d'une toute autre raison. Après des semaines de rumeurs la concernant, Mila Jasmine a, enfin, confirmé être enceinte. En effet, après avoir perdu son bébé et avoir beaucoup prié, cette dernière a commencé à retrouver le sourire. À reprendre goût à la vie. C'est donc suite à cette douloureuse épreuve, que Mila a écrit sur son compte Instagram ce dimanche 11 décembre, « J'ai une surprise pour vous. Un cadeau de Noël avant l'heure, un miracle de Dieu. Une excellente nouvelle qu'elle avait hâte de partager comme elle l'explique sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. » Quelques heures après cette révélation, dans ses stories Instagram, la jeune femme explique, émue, « Je ne sais pas par où commencer. Point. Déjà, je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos messages. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de messages et autant d'amour. Il y a une partie de moi où je me sens hyper soulagée et je me dis enfin je vais pouvoir partager ça avec ma communauté. Vous posez des questions et écoutez vos conseils. Soulager, c'est vraiment le mot qui me vient en premier. Et de revenir sur la perte de son premier bébé, j'ai perdu mon bébé il y a quelques mois malgré mes prières et les médecins. C'est la vie. Paix à son âme, je l'ai perdu et j'expliquais que ça a été une épreuve très dure pour moi. Mais j'ai continué à prier et je suis retombée enceinte. Je pense qu'on ne se remet pas réellement de la perte d'un enfant. Point. Mais là, j'ai surtout envie de vous parler de choses positives donc c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. Je suis heureuse de la partager avec vous et maintenant, je peux snapper le haut et le bas de mon corps. Enceinte de quelques mois, Mila évoque également sa prise de poids, je pensais que j'allais prendre 25 kilos. Je touche du bois, j'ai pris du poids, mais je pense que le fait d'être en forme. J'ai réussi à plus le cacher mais par contre, il y a des amis à moi et des mamans dans l'oreille maintenant je m'en fous je vous balance. Elles ont rien capté. Et de conclure sur Snapchat avec mon mari, on est très très heureux. D'ici quelques mois, Mila et son mari commenceront donc une nouvelle vie à trois.